En 30 ans, le cinéma a évolué. En effet, les petits cinémas de quartier à Mâcon ont fermé leurs portes en 2013 pour laisser place à un multiplex, le cinéma Rivo. Beaucoup plus grand, évidemment, et sans doute plus confortable, il est exclusivement un cinéma numérique, ce qui n'est pas sans laisser de problèmes pour l'embobiner. Alors, le Marivaux à Mâcon était équipé en numérique. Le Cordelier ne l'était pas du tout. C'est pour ça qu'on l'a fermé avant d'ailleurs, puisque les films qui sortent maintenant n'existent plus du tout en 35 mm. Quasi plus. Le Marivaux était en numérique, mais il y avait encore le 35 mm avec. Hein. Mais numérique, qu'est-ce que ça a changé? Alors, en termes de qualité de film ou de qualité de projection, bah nous, beaucoup plus de souplesse. Parce que monter un film 35 mm et ingérer un film en numérique, c'est pas le même boulot. Hein. Après, effectivement, il y a un gros hic, c'est que, et l'embobiné en fait les frais très 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 régulièrement, c'est qu'il nous propose des films anciens qui n'existent pas en numérique, parce que tous les films ne sont pas numérisés. Nous, on a fait le choix ici de vraiment de pas mettre de 35 mm. C'est un choix entre guillemets assumé, parce que si on se disait, ok, on garde un ou deux projecteurs, bon, on va passer trois films dans l'année. On les met où? Parce qu'un projecteur 35 mm, ça se bouge plus. Une fois que c'est quelque part, ça bouge pas. Alors, est-ce qu'on met dans une grande salle, dans une petite salle? Est-ce que voilà. Alors, moi, je sentais bien qu'on en mettait une. C'était dans une petite salle. Paf, l'embobiné passe un film en 35. On est tout content. On refuse du monde parce que malheureusement, il n'y a qu'un projecteur 35. C'est dans une petite salle et il y a trop de monde qui voulait voir. Enfin, bon, on s'est dit, allez, on assume. Tant pis. On n'aura plus de 35 mm. Mais voilà. Sinon, ça. Il aurait fallu en mettre 11 dans les 11 salles, quoi. C'était. Tant pis. Voilà, donc le numérique impose malheureusement une espèce de norme des films et un choix de films. Par contre, il a beaucoup d'attrait aussi pour certaines choses. C'est qu'il permet de faire, entre guillemets, du hors-film, c'est-à-dire des cartons, des pubs pour l'embobiner. Voilà, maintenant on a choisi une solution, c'est que. On passe des courts-métrages, après on a 3 minutes où les gens de l'embobiné peuvent parler, là ça se rallume, où on a mis leur programme en fond, enfin tout ce fait de mettre des programmes en fond, d'annoncer sur un carton, ce qu'on appelle un carton, des animations à venir, tout ça c'est grâce au numérique et c'est vraiment chouette. Un film en ce moment, quand on le reçoit, c'est un disque dur externe qu'on branche directement sur le projecteur et qui ingère dans le serveur. Le projecteur c'est un projecteur et attaché à un serveur. Donc ça met à peu près le temps du film à ingérer. Et on le reçoit, bon alors ça c'était à l'ancienne, hein, parce qu'on passe pas du 35 mm au numérique sans changer ses habitudes. Et là en l'occurrence pendant un petit bout de temps on n'a pas changé les habitudes, donc on recevait les films comme les 35 mm avec des livreurs, au lieu de nous livrer des gros cartons comme ça qui pesaient 20 kilos, nous livrer des enveloppes avec un disque dur externe à l'intérieur. Voilà, un film. C'est quand même autre chose, hein. C'est quand même un autre rapport avec l'œuvre. Ouais. On transpire moins. Donc au fur et à mesure tout ça se régule et maintenant on les reçoit, je dirais la moitié, on les reçoit par satellite quoi, ou par ligne téléphonique, ça charge. Alors quand ça charge, ça met. Là ils voulaient nous en envoyer un, ça mettait une bonne journée quoi pour recevoir le film. Donc c'est pareil, c'est quelque chose aussi, le numérique, on a l'impression qu'on clique, mais c'est pas si facile que ça. C'est-à-dire que quand on devait changer de salle un film en 35 mm, on prenait notre grosse bobine pour le mettre sur notre salle. Celui-là, si on met passer de tel film de telle salle à telle salle, ça peut mettre à peu près 2 heures, 3 heures, 4 heures. Hein, ça dépend si les projecteurs sont. Donc faut nettement plus anticiper. Hein, on a eu des soucis bah, avec l'embobiné et avec d'autres films, hein. C'est vrai que l'embobiné croit toujours que c'est que à qui ça arrive, mais non, non, on a des séances annulées aussi en tant que public. Mais c'est de temps en temps comme ça, pas tout le temps. Hein. Il faut aussi tout relativiser, mais l'embobiné, c'est je sais pas combien de films par an, mais c'est 150 films par an à peu près. Hein, donc quand il y a 10 erreurs, on s'en souvient. Mais. Donc il y a beaucoup ça, mais après l'embobiné, moi ce que je retiens, c'est des grosses soirées qu'ils arrivent à faire sur des films peu ou pas connus ou sur ils ont une force d'attirance et d'affect
sur les spectateurs qui est assez impressionnante. C'est pareil, quand nous on a ouvert, on a passé des films que Lambobine a passé avant, c'est-à-dire des Cronenberg ou des Frères Dardenne. Maintenant on les passe là, parce qu'on a plus de salles. Les gens nous sortent leur carte embobinée en croyant que c'est un film embobiné. Donc ça c'est assez long, enfin au début maintenant, on fait la part des choses. Mais voilà, c'est beaucoup d'anecdotes que j'ai, c'est de l'animation aussi, hein, dans le rôle. Mais voilà, bon, on aurait beaucoup d'anecdotes à raconter. Hein.